Pour partir en vacances, Audrey vient refaire son passeport. Elle a pris rendez-vous au mois de novembre dernier. On m'avait prévenu que, voilà, que ça allait être très long, donc du coup, j'ai fait en sorte de bien m'y prendre en avance. J'ai préféré anticiper. 4 mois pour obtenir un rendez-vous, le délai désormais habituel à Tassin pour refaire ses papiers d'identité. Ici, les demandes explosent, plus 47% en un an. Pour la mairie, c'est l'effet post-Covid. Les gens ont été privés de déplacement, etc. Et puis au moment de l'ouverture, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas leur papier, donc rués sur nos services. La commune dispose d'une machine pour enregistrer les titres d'identité. Ce n'est pas le cas de toutes les mairies. Alors les demandes viennent d'un peu partout. Il n'y a pas de territorialité pour les demandes de titres. Donc on peut même prendre une personne qui habite en Isère ou dans l'Ain. À Vaugneray aussi, il faut attendre 4 mois pour obtenir un rendez-vous. 2 fois par semaine, la mairie met en place des créneaux sans rendez-vous le matin. Pour être sûr d'avoir une place, certains arrivent même la veille au soir. Alors je ne sais pas si dans beaucoup, hein, parce que le confort est quand même très spartiate. Hein, mais oui, il y en a qui viennent très tôt. Oui. Le sujet est pris au sérieux jusqu'au sommet de l'État. Le gouvernement a été missionné de trouver des solutions pour mettre fin aux galères administratives.